C'est le début d'une longue balade de 8 km à travers les vignes du Veyron. Quelques centaines de mètres passés et déjà la première pause dégustation. Donc ici, on va vous faire goûter du Chinon blanc. Donc Chinon blanc, ça représente 1% de l'appellation. Donc... Parmi les participants, beaucoup de touristes pour qui le Chinon est encore inconnu. Et ces randonnées sont justement l'occasion de trouver une nouvelle clientèle. Il est bon ce vin ? Oui, il est très bien. Pour commencer, c'est excellent. Mais... C'est une très bonne mise en appétit. Hein. Et moi qui viens du Sancerrois, justement, je trouvais un petit goût de Sauvignon. Et le vigneron m'a dit, effectivement, c'est un vin qui sauvignonne. Voilà. Vous voyez d'emblée, celle-là, je ne vais, pas forcément la garder. Apprentissage à la taille de vigne, visite de caves aux fresques parfois très explicites et randonnée dans un cadre bucolique, le tout dans une ambiance très conviviale. L'idée est développée par Interloire depuis 7 ans pour rattraper le déficit de notoriété des vins de Loire. Ces rendez-vous connaissent un véritable succès. 600 œnotouristes sont venus samedi visiter le Veyron, à l'image de Sylvie, invitée par sa copine Zaza pour fêter les 50 ans de Christine. On parle du Bordelais, mais je m'aperçois qu'effectivement, les vins de la Loire ont une variété très riche, dans tous les sens du terme, surtout le rouge, et notamment le rosé, puisque la dame nous a dit que le rosé est en expansion. Le no-tourisme en Val-de-Loire est en pleine expansion. Ces visites, gratuites, sont une offre de plus pour des touristes déjà présents dans la région, grâce au patrimoine local. Nous sommes très heureux de vous accueillir au manoir de la Courtinière. C'est un ancien temple qui date de fin 15e, début 16e. Et ce patrimoine local est encore l'occasion de déguster du Chinon. Au manoir de la Courtinière, on met en avant le rosé, avant que ce soit le rouge lors d'une prochaine étape. Tout au long du parcours, ce sont une cinquantaine de vignerons qui sont mobilisés bénévolement. Il faut se faire connaître. Et donc, il faut faire des portes ouvertes, il faut faire connaître notre produit, il faut faire déguster. Et il faut aimer son métier. Il faut surtout aimer son métier. Selon les enquêtes menées lors de ces randonnées, 8 participants sur 10 achètent du vin à l'issue du parcours. Samedi, la maison des vins du Veyron s'est justement retrouvée en rupture de stock.